Coucou mes choulidous. Alors, eh bien, je suis revenue pour un haul à Action. J'ai encore craqué mon slip, mais là, c'est n'importe quoi, Sylvie. 1, 2, 3. Action! Réaction. Alors, tout d'abord, j'ai acheté des petites enveloppes. Je les ai payées 89 centimes parce que je trouvais que le format était très sympa. On peut mettre pas mal de choses dedans. Plutôt que... Et de toute façon, j'ai pas trouvé le format normal. Donc, je me suis dit, tant pis, je prends ceux-là. Il y en a combien dedans? Il y en a 25. Elles ont l'air très bien. Alors, je pioche. J'ai acheté cette nouvelle palette. Je ne peux pas dire le prix, mais regardez comment elle est jolie. Elle est magnifique. Alors, celle-ci, elle est pour moi. Les couleurs sont sublimes. Franchement, elle est magnifique. Donc, elles me font penser un peu à Make Up Révolution. Et sur ce, j'ai acheté celle-ci, mais c'est pour faire un cadeau. Franchement, je l'ai trouvée sublime, sublime. La personne pourra faire des jolis tutos. Voilà. Elle aime le violet. Elle adore le violet. C'est quelqu'un que j'aime du fond de mon cœur, que plus que ça même. Elle fait partie de ma vie. À tout jamais. Je l'aime. Ça, c'est pour offrir. Alors, j'ai payé 98 centimes. Franchement, je le trouve magnifique. Il était en promotion. J'espère que c'est 98 centimes. Je ne me rappelle plus trop du prix, mais franchement, le Mazagran, il est super. Alors, ensuite, des Mellow Cakes. Bah ouais, des Mellow Cakes, ça c'est 1,15 €, on a tout mangé. Avec une amie, on a tout mangé. Bon, il n'y en avait pas beaucoup, hein, de toute façon. Ceci, c'est pour ma personne, pour l'anniversaire de ma chérie d'amour que j'aime à la folie, qui aime le violet, bien sûr. Donc, vous avez la petite pochette comme ça, dorée et noire. J'ai trouvé ça trop mignon et en plus, le doré, il ne tombe pas comme en ce moment, quand on touche les trucs là, il y a toujours plein de paillettes. Alors, vous avez la petite pochette qui est magnifique. Vous avez le petit parfum qui, je pense, doit sentir très bon. Je me demande s'il ne ressent pas un peu le style opium, le style poison. Et vous avez le petit vernis qui est magnifique. Voilà, donc ça, c'est ce que je vais lui offrir, plus la palette. Et je vais lui offrir aussi ceci, c'est le fameux, mais le fameux, fameux, fameux plaid que tout le monde adore. Voilà, j'ai une amie à en acheter deux, il y en a d'autres qui veulent en commander, mais il ne va plus y en avoir, hein. À cause de moi, Carrefour va être... Beaucoup de personnes en achètent, et franchement, il est génial. Il a juste deux manches, il est super. Comme ceci. Mais je le remontre, hein, parce qu'il avait un succès, et comme je l'ai racheté, voilà. J'ai pris ces petits comme ceci que j'adore, que j'adore. Ce sont des stickers avec Minnie. Je les trouve trop mignons, trop choupinous. J'ai payé ça 79 centimes. J'ai pris des piles parce que c'est pour les lasers, mais j'espère que ça va aller. J'ai payé à 59 centimes, on verra bien de toute façon. C'est pour le laser pour ma fille. J'ai pris 99 centimes. J'ai pris des brosses à dents, une brosse à dents particulièrement bleue que j'aime bien. 99 centimes pour changer un peu. Alors là, j'ai pris ça. Ouais, ne me demandez pas. Hein. J'ai payé ça 4 euros. Ouais, je sais. Ouais, je sais. Hein. C'est le seul truc que j'ai acheté ridicule. Hein. Enfin, qui sert à rien. Voilà, une cape. Parce que j'avais envie d'une cape. Voilà, regardez. Non, mais regardez ça, elle est trop belle. Franchement, j'ai trouvé ça trop mignon dans les bêtises. Non, regardez. Voilà, j'ai trouvé ça trop choupi. Et je me dis, je ferai une vidéo avec. On verra bien, mais je ferai une vidéo avec. Voilà, donc ça, je l'ai pris. Je me suis dit, c'est rare d'en trouver comme ça, arc-en-ciel. Donc voilà, quand je ferai un make-up arc-en-ciel, eh bien, je m'habillerai comme ça. Voilà. Et bien sûr, ça, je vous la recommande à 1000%. J'en ai plein, je les adore. J'en ai retrouvé, j'étais trop contente. C'est 9,20 €. C'est une pure tuerie. Franchement, c'est Luxury Bath Set. Ils sont géniaux. Vous avez la grande serviette, la moyenne et le gant. Et sincèrement, ils sont super. La qualité est super. Le grain à l'intérieur est super. Ils essuient très bien. Je suis absolument pas déçue. Voilà, ça, c'était mon haul Action. Stokomanie première. Stokomanie.
Stokomanie. Voilà, Stokomanie. Alors, j'ai pris une petite broche, je l'ai payée 2,40 €. Parce que la mienne, je l'avais achetée à Primark, mais elle était holographique et malheureusement, l'holographisme part un petit peu. Donc du coup, je me suis dit, je vais en prendre une lisse comme ça et elle a l'air très bien. Regardez. Voilà, elle a l'air très très bien. Franchement, rien à dire. Stokomanie, j'ai absolument rien trouvé. Je trouvais que c'était cher. Ça, je l'ai pris pour laver par terre. Je l'ai pris à 1,49 €. Voilà, je le change régulièrement pour mettre sur mon balai. Ça, je suis super méga contente. C'est le Cottage, un grand format au monoï, à l'huile essentielle précieuse. Là. Au monoï, il n'y a rien de tel hein, que le monoï. Hein. J'ai pris des crunchs que j'ai mangés avec mon ami. On a mangé ça, on est gourmandes. J'ai pris du café parce qu'en fait, il n'était pas cher à 1,45 € les crunchs. 1,25 € les petits cafés or, maison du café, l'or. Je me dis, ça ne doit pas être normal. Moi, j'aime pas le café. J'ai pris ceci 1,39 € parce que c'était pas cher. Hein, et on a besoin hein, pour les toilettes. Et j'ai trouvé ceci 1,25 € duo de carottes orange et jaune. J'espère que c'est du mouliné et que ce n'est pas du velouté parce que je ne le mangerai pas si c'est du velouté. Des chips, c'était chez Action, j'ai oublié. Après, je suis allée chez Ikea première. Hop. Ikea, j'ai trouvé ce petit truc à micro-ondes, la cloche. Franchement, elle est... C'est du béton et les petits trous, voilà, il y a des petits trous. Je pense qu'elle est plus costaud que celle que j'avais achetée à 1 € au marché parce que c'est de la cochonnerie. Le plastique, il a jauni, c'est dégoûtant. Donc, et puis, c'est pas du tout du plastique comme ça, là, c'est du costaud. Donc, je pense que là, je suis pas déçue. J'ai pris ce petit saladier que j'ai payé 1,99 €. Franchement, c'est très bien, on dirait de l'arcopale. Je sais même pas si ça existe encore, l'arcopale. Ceci, Ikea. 99 €. J'ai acheté du hareng aussi Ikea. Et voilà. Et chut, Ikea, je suis désolée, mais j'ai pris ça. Comme on a mangé à la cafétéria des boulettes. En plus, je vais vous dire un truc. Vous allez au dernier moment à Ikea, à la brasserie, à la, ouais, enfin, à la cafétéria. Vous allez au dernier moment. Et comme ils jettent tout le soir, eh bien, vous vous retrouvez avec une assiette comme ça. Il y en avait qui étaient dégoûtés. Ils avaient eu 5 boulettes. Moi, j'avais tout ça de boulettes avec de la sauce, avec des frites. Comme j'étais avec ma copine, avec mon ami, on a mangé pour deux, quoi. Et il nous a donné 2 assiettes et on a payé que pour une personne. Il a été super gentil. Et une tarte aux pommes, j'ai payé que 1 € au lieu de je ne sais plus combien. Voilà. Et du coup, on a dit, tiens, on va piquer le sel. Je sais que ce n'est pas bien. Je sais que ce n'est pas bien. Mais voilà, mais bon, j'avais pas de sel à la maison. À chaque fois, je cherche partout. Et du coup, et voilà. Et puis, ça, bah, c'était à Action, j'ai oublié. C'est des piles pour ma fifille. Et la brosse à dents, 99 €. Moi, j'avais acheté beaucoup de trucs à Action. Voilà. Mes choubidous, ce qui fait que ça fait un sac rempli comme ça de tout. Sur ce, eh bien, je voulais vous dire que ma chaîne va prendre une autre tournure, certainement. Je voulais votre avis parce que je me demande si je ne vais pas faire une chaîne secondaire qui n'a rien à voir avec celle-là. Ou alors, est-ce que vous voulez que je laisse sur cette chaîne parce qu'il y a un ami à moi, Cyril, qui est médium, magnétiseur, qui est spécialisé en pierre, en lithothérapie. Et on fait de la cuisine aussi parce qu'il est traiteur cuisinier, donc il fait beaucoup de choses. Et je me suis dit, est-ce que vous voulez que je le mette sur ma chaîne ou alors est-ce que vous voulez que je crée une chaîne, à la limite, qui s'appellerait Sybille et Cyril. C'est rigolo. À vous de me dire. Voilà, sinon je le laisserai sur cette chaîne. Là, demain, vous allez avoir une vidéo spéciale, vraiment très spéciale, sur l'étude des pierres, la vertu, tout ce que ça peut vous apporter. En plus, j'ai un petit coup de gueule, je le dis à la fin parce que voilà. En fait, sur Instagram, il y a eu un petit peu une polémique sur justement les personnes qui se photoshopent tout le temps, qui ont plus de 50 ans, qui se photoshopent. Alors, quand on les voit au naturel, elles sont pleines de rides. Et bon, moi, j'ai des rides, hein, je m'en fous. Hein, mais j'en ai pas beaucoup encore, j'ai de la chance. Hein,
Mais elles ont des rides et puis quand elles mettent une photo, c'est une catastrophe quoi sur Instagram. On voit bien que c'est pas elles. Elles sont lissées comme ça, elles ont le nez rétréci. Moi, j'ai pas cette application et j'en veux pas. Moi, j'ai une application, ce que j'ai mis sur Instagram, comme quoi pour le maquillage. Si je veux, je peux. Moi, je me maquille là comme ça. Mais si je veux, je peux faire juste une photo où j'ai un super maquillage et c'est pas du tout moi quoi. Des eyeliner. Là, la vidéo, elle s'appelle You Can. Bon, bref, je ne vais pas vous le dire parce qu'après tout le monde va le faire, l'application. C'est parce que moi, j'ai une caméra, une webcam sur mon ordinateur. Et avec la webcam, j'ai eu le droit à deux applications comme ça. Voilà, mais je m'en sers pas. Ou des fois, je le dis. De toute façon, je le dis toujours. Hein. Je le dis en vrai, en faux, à votre avis, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je le dis toujours. Mais jamais sur YouTube, j'ai jamais fait ça et je le ferai jamais. Même sur une miniature, je ne fais pas. Voilà, eh bien, écoutez, sur ce, je vous embrasse, je vous dis plein de bonnes choses, je vous dis I love you, Islibedish, te quiero, te amo, je vous souhaite une très bonne journée, et n'oubliez pas, actionnez la petite cloche, hein, si vous voulez voir mes prochaines vidéos, et puis abonnez-vous, likez, partagez, commentez, et surtout, vous pouvez y aller parce qu'en ce moment, c'est les promos du jour, hein, de la semaine, hein, donc vous pouvez y aller. Je vais peut-être essayer de la mettre maintenant. J'ai au moins 10, 12 vidéos à mettre. J'ai des autres haul actions à mettre. Parce que j'avais été pour Noël, j'avais été pour plein de trucs. J'avais acheté pour Noël la semaine dernière. Ben, comme je suis à la maison, mais je fais attention quand même. Mais j'achète quand même. C'est une de mes maladies, ça. L'achat compulsif. Je sais, c'est catastrophique, mais c'est une de mes maladies. Voilà, bon, sur ce, Sybille, tais-toi. Et on va finir par un clap de fin. OK? Bye bye.